Bonjour, je m'appelle Marc. J'aimerais vous parler d'une chose qui a eu sur moi une profonde influence. Je veux parler de la prophétie. C'est un vaste sujet et le mot prophétie n'évoque pas la même chose pour tout le monde. Je vais donc commencer par vous parler un peu de moi pour vous dire comment j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet. J'ai grandi au Texas et j'ai commencé à étudier à l'université avant de m'intéresser aux choses spirituelles. À l'époque, j'étais devenu athée. Et je me faisais un devoir de détourner tous les gens que je connaissais de la foi en Dieu. Mais certaines expériences m'ont amené à admettre qu'il existait un monde spirituel. Je n'étais pas religieux, mais je savais, pour en avoir fait l'expérience, qu'il y avait un monde peuplé de bons et de mauvais esprits, et je voulais être du côté des bons. Ma recherche spirituelle m'a amené à fréquenter différents groupes. Un jour, j'ai rencontré des jeunes chrétiens radicaux qui m'ont aidé à comprendre les vérités de la Bible. C'est ainsi que Dieu m'a donné un nouveau départ dans la vie et c'est ce qui m'a poussé à prendre la décision de le servir. J'ai vécu pendant plus de 30 ans à l'étranger et j'ai eu une vie merveilleuse. Quand je parle de prophétie, je parle essentiellement des prophéties bibliques. Ce sera l'objet de notre étude tout au long de cette série. Nous ferons la connaissance du prophète Daniel. À ce propos, quand ses disciples ont interrogé Jésus sur l'avenir, il mentionna précisément le prophète Daniel. Il dit Quand vous verrez survenir ces événements futurs annoncés par le prophète Daniel, que celui qui lit comprenne. Jésus disait à ceux qui liraient les prophéties de Daniel d'essayer de bien les comprendre. J'imagine que certains d'entre vous qui me regardez connaissent bien ce sujet et que vous avez hâte d'entrer dans le vif du sujet, tandis que d'autres n'ont pratiquement aucune notion biblique. Je souhaite m'adresser à tout le monde. Mais si je devais choisir, je m'adresserais à ceux d'entre vous pour qui tout cela est entièrement nouveau. C'était d'ailleurs mon cas avant de devenir adulte. C'est pour cette raison que j'aimerais vous faire connaître la joie de découvrir la vérité de la parole de Dieu dans la Bible et dans ce livre en particulier. Certains parmi vous doivent se demander c'est quoi au juste la prophétie Vous devez vous dire ouais, c'est ça, c'est bientôt la fin du monde. Moi aussi, je pensais exactement la même chose avant. Je trouvais ça très bizarre. Eh bien, voyons s'il y a eu un événement que la plupart de ceux qui nous regardent connaissent et qui avait été prédit plusieurs siècles avant qu'il n'arrive. On peut dire sans risquer de se tromper que vous avez tous entendu parler de Noël. Et vous savez qu'à Noël, on chante des hymnes, on célèbre la naissance de Jésus. Tout le monde a vu des images de Joseph et Marie avec l'enfant Jésus. Et vous avez sûrement entendu le chant de Noël. Désolé, je ne chante pas très bien, mais ça commence par « Petite ville de Bethléem, tu dors tranquillement ». C'est un chant de Noël en l'honneur du village de Bethléem où Jésus est né, tout près de Jérusalem. Peut-être que vous le saviez déjà ou bien vous vous souvenez d'en avoir entendu parler quelque part. C'est probablement quelque chose que vous savez déjà. Mais jetons un coup d'œil sur le livre du prophète Michée dans l'Ancien Testament. D'après les notes de ma Bible, il date de 700 avant Jésus-Christ. Au chapitre 5, verset 2, c'est la voix de Dieu qui s'adresse à la ville ou au village de Bethléem. Il dit ⁇ Et toi, Bethléem, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. ⁇ Dans ce passage, Dieu s'adresse à Bethléem et lui dit que bien qu'elle soit une petite ville de Judée, qui était à l'époque une province d'Israël, c'est d'elle que serait originaire celui qui allait un jour régner sur le peuple de Dieu, et que l'origine de celui-ci était de toute éternité. C'est une prophétie de l'Ancien Testament, prédisant des siècles à l'avance la naissance de Jésus, et révélant le lieu exact où allait naître le Messie, le roi envoyé par Dieu. Et c'est seulement une prophétie parmi beaucoup d'autres. Au début, il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'il existait une puissance dans les lieux célestes, la puissance du Dieu de la Bible, qui prédisait le futur depuis des milliers d'années, et que ses prédictions, ses prophéties, s'étaient toujours réalisées dans les moindres détails. Pour moi, c'était absolument fantastique, et c'est toujours le cas aujourd'hui encore. Ce sera le sujet de cette série les prophéties qui se sont déjà réalisées et celles qui vont se réaliser. J'ai évoqué la naissance de Jésus à Bethléem, parce que c'est un événement dont tout le monde a entendu parler. Et quand nous avons vu que, plusieurs siècles avant sa naissance, une prophétie biblique prédisait sa naissance à Bethléem, vous avez pu apprécier toute la portée et l'importance de cette prophétie. Nous allons maintenant nous tourner vers le passé pour nous replacer dans le contexte historique et nous allons voir que les prophéties ont anticipé et prédit de nombreux événements d'une importance capitale qui se sont produits plus tard. Il y a environ 4000 ans, Dieu a choisi un homme qui s'appelait Abraham. Il venait de la région du monde qui s'appelle aujourd'hui l'Irak. Les descendants d'Abraham sont le peuple que nous appelons aujourd'hui les Juifs. D'ailleurs, les Arabes et la foi musulmane trouvent leur origine dans le patriarche Abraham. Mais l'Ancien Testament est le livre des Juifs. Pour comprendre les prophéties, il est essentiel d'avoir quelques notions historiques sur les Juifs et sur les différents empires de l'Antiquité jusqu'à l'époque de Jésus et de l'Empire romain. Voici quelques-uns des personnages clés de la Bible et l'époque à laquelle ils vivaient. Abraham vécut aux environs de l'an 2000 avant Jésus-Christ et Jésus est mort en l'an 30 de notre ère. Entre ces deux dates, Moïse vécut vers l'an 1400 avant Jésus-Christ, le roi David vers 980 avant Jésus-Christ, et le prophète Daniel aux environs de l'an 600 avant Jésus-Christ. Quelqu'un a fait ce tableau et j'ai trouvé qu'il était très pratique pour situer dans le temps les étapes majeures de l'histoire d'Israël. Ça s'intitule Les sept périodes de l'histoire d'Israël. Pour commencer, on a d'Abraham à l'Égypte. Dieu s'est adressé à Abraham pour lui dire de quitter son pays et de se mettre en route vers un nouveau pays que Dieu allait lui donner. Abraham remonta le fleuve Euphrate avant de descendre dans le pays de Canaan, que nous appelons aujourd'hui Israël. Dieu avait promis à Abraham qu'il ferait de lui une nation puissante. La plus grande qualité d'Abraham était sans aucun doute sa grande foi en Dieu. Par exemple, ce n'était pas évident pour Abraham de croire ce que Dieu lui avait dit. Sa femme et lui étaient déjà très âgés, ils avaient au moins 90 ans et ils n'avaient toujours pas d'enfants. Comment Dieu allait-il faire d'Abraham une puissante nation Abraham avait la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Et un beau jour, Sarah, la femme d'Abraham, conçut un fils, Isaac. Devenu adulte, Isaac épousa Rebecca et ils eurent deux jumeaux. Esaü et Jacob. Là, je ne vous donne que les faits les plus marquants. J'ai laissé de côté beaucoup de détails intéressants. Tout est dans la Genèse, le premier livre de la Bible, et tout cela s'est passé il y a près de 4000 ans en Palestine, qui s'appelait à l'époque le pays de Canaan. Jacob se maria. Il eut deux épouses, douze fils et deux filles. L'un de ses fils s'appelait Joseph. Joseph était le fils préféré de son père. En fait, Dieu lui-même avait indiqué que Joseph aurait une place au-dessus de ses frères. Inutile de dire que ses frères étaient très en colère et jaloux de lui. Ils s'arrangèrent pour vendre Joseph comme esclave à des marchands qui se rendaient en Égypte. Il se trouve que tout cela faisait partie du plan de Dieu. Finalement, Joseph devint le deuxième homme en Égypte tout de suite après le Pharaon. Des années plus tard, ses frères vinrent en Égypte pour y acheter de la nourriture à cause de la famine qui sévissait. C'est une histoire extraordinaire. Et Joseph reconnut ses frères. Et il leur permit, ainsi qu'à leur vieux père et toute leur famille, de quitter Canaan pour s'installer en Égypte. Ils s'y installèrent sous la protection de Joseph et ils y restèrent et prospérèrent durant les quatre siècles suivants. Ils devinrent une nation puissante, exactement comme Dieu en avait fait la promesse à Abraham. Vous êtes peut-être plus familier avec la période suivante de l'histoire d'Israël. Avez-vous entendu parler des dix commandements C'était pendant la période de l'Exode. C'est aussi le nom du second livre de la Bible. Elle se situe aux environs de 1400 avant Jésus-Christ. Et les principaux personnages étaient Moïse, Aaron, son frère, et Josué l'homme qui conduisit les Juifs après la mort de Moïse. Moïse avait pas mal de choses en commun avec Joseph. C'était un Hébreu qui avait atteint une position sociale très haute en Égypte. Dieu parla directement à Moïse et lui dit qu'il devait faire sortir son peuple d'Égypte et retourner dans le pays de Canaan, qui était la terre de leurs ancêtres. Sous la conduite de Moïse et la protection de Dieu, les Juifs franchirent la mer Rouge. Ils traversèrent le désert du Sinaï. Par la suite, ils entrèrent dans le pays de Canaan et le conquirent. Pendant l'Exode, Dieu donna à Moïse les dix commandements et les lois qui allaient régir la nation d'Israël. Puisque nous parlons de prophétie, je voudrais vous parler d'une prophétie datant de plusieurs siècles avant Moïse dans laquelle Dieu prédisait ce qui allait se passer. Quatre siècles avant l'Exode, Dieu s'adressa à Abraham dans un rêve. Au chapitre 15 de la Genèse, versets 12 à 16, il dit à Abraham Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Et c'est ce qui leur arriva en Égypte. On les réduira en esclavage, et en effet, ils devinrent esclaves en Égypte, et on les opprimera pendant 400 ans. Et en effet, ils restèrent en Égypte pendant quatre siècles. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici. Et c'est exactement ce qui arriva lors de l'exode des Juifs d'Égypte et de leur retour à Canaan. Après leur retour et leur conquête de Canaan, ils vécurent pendant près de trois siècles sous un régime qu'on pourrait qualifier de théocratie. C'est-à-dire qu'ils étaient gouvernés par Dieu. Ils n'avaient ni parlement ni roi, mais ils étaient régis par les lois et les commandements que Dieu avait donnés à Moïse et la tribu de prêtres appelée Lévite était chargée de les faire respecter. Cette période s'appelle la période des juges, pendant laquelle Dieu appelait des gens hors du commun à guider Israël en période de crise. Parmi ceux qui devinrent juges, il y eut Gédéon, Samson et Déborah. L'unité du pays était essentiellement spirituelle. Les gens vivaient dans différentes régions de Canaan ou Israël, suivant la tribu à laquelle ils appartenaient. Vers 1050 avant Jésus-Christ, des changements majeurs survinrent en Israël. Dieu suscita un grand prêtre d'une grande sagesse, Samuel. Mais le peuple d'Israël voulait être comme les autres nations, et il demanda à Samuel de lui donner un roi. Dieu les avait prévenus, que ce plan n'était pas conforme à sa volonté, mais les Israélites insistèrent. Dieu montra à Samuel de leur donner pour roi un homme appelé Saul. Au début, Saul se comporta en véritable homme de Dieu et il affermit Israël contre ses ennemis. Tout se passa bien pendant un certain temps. Cette période est celle du Royaume unifié. Israël, qui au départ était une confédération de tribus vaguement associées, devint une authentique nation. Plus tard, il devint une véritable puissance régionale du Moyen-Orient. Mais la vie de Saul est l'une des histoires les plus tragiques de la Bible. Au fur et à mesure de ses succès, il désobéit de plus en plus aux directives que Dieu lui donnait par la bouche du prophète Samuel. Finalement, Dieu ordonna à Samuel d'oindre un nouveau roi, celui qui allait devenir le monarque le plus aimé et le plus célèbre de l'histoire d'Israël, le roi David. Dieu dit à Samuel, le Seigneur s'est choisi un homme qui correspond à son désir. Cela décrivait très bien le roi David. Sous le règne de David, Israël atteignit son apogée. David fut non seulement un roi, mais aussi un prophète et occasionnellement un prêtre. Que ce soit sur le champ de bataille ou dans ses prières et son repentir, David donna l'exemple à son peuple ce qui lui valut d'être appelé la lumière d'Israël. Revenons aux anciennes prophéties et voyons si elles se réalisèrent par la suite. Retournons de mille ans en arrière, à l'époque d'Abraham, lorsqu'il était déjà vieux et qu'il n'avait toujours pas d'héritier. Genèse 15-18. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, L'Euphrate. Sous les règnes successifs de David et de Salomon, les frontières d'Israël s'élargirent pour s'étendre de l'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate, exactement comme Dieu l'avait promis à Abraham mille ans auparavant. Salomon était le fils de David et le troisième et dernier roi du royaume unifié. Dieu lui avait accordé ce qu'il lui avait demandé au début de son règne. Salomon avait demandé à Dieu la sagesse de gouverner son peuple. Et cette sagesse est parvenue jusqu'à nous dans le livre des Proverbes de la Bible. Hélas, l'influence d'un bon dirigeant dynamique et proche de Dieu, comme l'était le roi David, s'étend rarement au-delà de la seconde génération de ses sujets. La nation juive ne fit pas exception à la règle. Le fils de Salomon, qui s'appelait Réoboam, devait régner après son père, mais il n'avait ni le cœur de son grand-père David ni la sagesse de Salomon. Une rébellion éclata parmi les tribus d'Israël, jusque-là unifiées, et le royaume d'Israël se trouva divisé. Marqua le début du royaume divisé, les dix tribus du Nord qui s'étaient rebellées contre la dynastie de David établirent leur capitale dans le Nord. On continua d'appeler les dix tribus du Nord Israël. Seule la tribu de Juda D'où la famille de David était originaire et celle de Benjamin, la tribu de Saul, restèrent ensemble au sud du pays. On les appela simplement Judas. Donc, vers 920 avant Jésus-Christ, après avoir été une nation unifiée pendant cent ans, Israël se divisa en deux. Au cours des deux siècles qui suivirent, la situation du nord d'Israël ne fit qu'empirer. Avez-vous entendu parler de Jézabel Aujourd'hui encore, ce nom désigne souvent en anglais une femme sans honneur. Elle était l'épouse étrangère d'un roi du nord d'Israël. Dieu envoya des prophètes comme Élie et Osée avertir Israël des jugements imminents de Dieu s'ils ne se repentaient pas. Hélas, on les ignora. En 722 avant Jésus-Christ, l'impensable se produisit. Dieu permit aux Assyriens, une nation étrangère, de conquérir le nord d'Israël et d'emmener en captivité une grande partie du peuple. La nation que Dieu avait créée fut décimée, et comme l'avait prédit leur prophète, Osée, ils devinrent errants parmi les autres nations. Mais au sud, le royaume de Juda tint ferme, tout simplement parce que, le plus souvent, le peuple de Juda et leur roi restèrent proches du Seigneur. Ils étaient moins idolâtres et plus humbles qu'Israël au nord, et par conséquent, Dieu les protégea plus longtemps. Au nord comme au sud, ils connurent des hauts et des bas et eurent des bons et des mauvais rois. Mais en période de crise, Judas écouta les prophètes que Dieu lui envoyait, comme le prophète Ésaïe. Du moins, ils les écoutèrent quelquefois. Par la suite, le royaume de Judas abandonna sa foi en Dieu et son amour pour le Seigneur, à tel point que Dieu dit qu'ils étaient devenus encore pires que les nations voisines. Nous en arrivons à l'époque de Daniel, vers 600 avant Jésus-Christ. C'était dans les derniers jours de Judas, avant sa chute et sa destruction. Dieu avait suscité le prophète Jérémie, un des plus grands prophètes d'Israël, qui fut le porte-parole de Dieu dans les derniers jours d'existence de la nation. Jérémie leur dit que Babylone, la nouvelle puissance mondiale qui avait battu les Assyriens, viendrait assiéger Jérusalem. Dieu allait permettre à Babylone d'exécuter ses jugements contre son peuple. Et c'est ce qui arriva. Vers 604 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone envoya un corps expéditionnaire contre Juda et Jérusalem et les soumit en partie. En 586 avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor anéantit le royaume de Juda en réponse à leur résistance. La plupart des survivants furent emmenés en captivité et réduits en esclavage à Babylone. Seule une toute petite portion du peuple juif demeura dans sa patrie. Cette défaite marqua le commencement de la captivité d'Israël. Dieu avait-il abandonné son peuple Pas du tout. Durant cette période très difficile, où les Juifs subirent des jugements dont Dieu les avait avertis depuis des décennies, voire des siècles, trois des plus grands prophètes de Dieu proclamèrent sa parole. Jérémie, Daniel et Ézéchiel vécurent à cette époque, bien qu'ils ne soient pas de la même génération. Ils proclamèrent la parole de Dieu à Israël et aux nations voisines pour leur expliquer ce qui se passait et incarnèrent la présence de Dieu. Pendant toute cette période d'instabilité, Dieu continua à donner des prophéties porteuses d'espoir pour le futur de son peuple. On en trouve un exemple dans les écrits de Jérémie. Par deux fois, Dieu dit à Jérémie que la captivité des Juifs à Babylone aurait une durée déterminée et limitée. En Jérémie, au chapitre 29, verset 10, nous lisons ⁇ Voici ce que dit l'Éternel ⁇ Dès que 70 ans seront écoulés à Babylone, j'interviendrai en votre faveur en vous faisant revenir dans ce lieu. ⁇ Leur captivité devait durer 70 ans, et effectivement, elle durera exactement 70 ans. D'après la Bible et les sources historiques, la fin de la captivité eut lieu entre 536 et 516 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 70 ans après le début de l'occupation de Juda par Babylone en 606 avant Jésus-Christ et la destruction finale de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Nous continuons de voir l'empreinte éternelle de la prophétie. Et Dieu qui réalise ses promesses à travers les siècles. Y a-t-il d'autres prophéties dans la Bible qui attendent de se réaliser dans un futur proche Ce sera notre sujet d'étude des prochaines leçons. Durant les 70 ans de captivité des Juifs, l'Empire babylonien fut vaincu par une coalition de deux nations, les Mèdes et les Perses. Ce royaume à deux têtes devint la puissance dominante du monde antique pendant les deux siècles suivants. On appelle la période finale de l'histoire d'Israël le retour. C'est le roi Cyrus de Perse qui, le premier, autorisa les Juifs à rentrer dans leur pays d'origine et à repeupler Jérusalem. Devenus humbles et repentants, les Israélites qui décidèrent de rentrer au pays s'engagèrent à garder la foi et les lois que Dieu avait données à leurs ancêtres plusieurs siècles auparavant. Plus tard, Jérusalem fut rebâtie et on éleva un nouveau temple qui n'était toutefois pas aussi beau que celui de Salomon. Dieu préserva la nation juive et Israël survécut à l'avènement de l'empire d'Alexandre le Grand et à la domination grecque. La société juive évolua beaucoup sous l'influence des changements apportés par la civilisation grecque. En Israël, Certains ramenèrent le peuple de Dieu à leur foi et à leur vocation ancestrale, se séparer des autres nations et adorer uniquement le Seigneur leur Dieu. Par la suite, les Romains supplantèrent les Grecs et devinrent la puissance dominante de l'époque. C'est au cours du premier siècle de la domination romaine au Moyen-Orient que Jésus naquit à Bethléem. Ce contexte historique constituera la toile de fond sur laquelle nous verrons les prédictions des prophètes éclairées comme des phares et des jalons les événements qui vont se produire dans le futur. De nos jours, les événements futurs qu'ils prédisaient à leur époque appartiennent en grande partie à notre passé. Mais la prophétie a très certainement beaucoup de choses à nous dire concernant le présent et le futur proche. Dans notre prochaine leçon, nous nous attarderons sur la période de l'histoire où le royaume de Juda fut envahi par Babylone, aux environs de l'an 600 avant Jésus-Christ. Nous étudierons les épisodes de la vie de Daniel lorsqu'il était un jeune exilé à Babylone. À l'époque, il ne devait pas avoir plus de 14 ans. Le second chapitre du livre de Daniel sera notre prochaine étape à la découverte de la prophétie. Nous verrons comment Dieu dépeint les anciens empires qui sont apparus après l'époque de Daniel. Nous verrons que Dieu avait annoncé qu'à une époque future, il se chargerait personnellement du gouvernement de la terre. Certains appellent cette époque le millénium. Difficile à croire J'espère que nous nous retrouverons pour la leçon suivante. Dieu vous bénisse.